J'espère que vous allez bien. Je pense que je dois être en direct. Si, faites-moi un petit coucou si vous m'entendez, si vous me voyez bien. Alors, je souhaite vous avertir que demain à 18h, heure de Paris, je vais effectuer un soin collectif de lumière. Au plus on sera, au plus la force de la lumière qu'on va recevoir et pouvoir restituer sur le plan terrestre sera extraordinaire. Alors, c'est un soin collectif, pourquoi? Parce que il y a énormément de lumière qui nous arrive dans le mois de mai avec la puissance de l'énergie mariale, Marie qui est le Christ au féminin, qui est la puissance christique féminine, le féminin sacré, ces énergies qui sont aussi importantes sur le plan terrestre que le masculin sacré et qui sont en train de se développer, de se diffuser, de grandir et de croître. Dans la séance collective de demain, prévoyez au moins 30 minutes. Nous allons, alors, vous serez dans un endroit calme, reposé, vous pourrez allumer une bougie blanche pour appeler la lumière par la lumière et nous allons effectuer une demande spéciale à Marie pour qu'elle soit notre mentor à chacun de nous, pour effectuer un mentorat christique. Un mentor, c'est quelqu'un qui vous suit petit à petit, semaine après semaine, qui vous met des outils de travail, d'évolution, d'ascension sur votre chemin et vers laquelle vous pouvez toujours vous tourner. Donc, nous demanderons à Marie d'être notre mentor christique à chacun de nous, si vous le voulez bien. Autre point, nous aurons aussi la protection infinie de Marie. Nous la lui demanderons ainsi que de sa hiérarchie de lumière. Pourquoi? Parce que quand la lumière se déchaîne, comme elle se déchaîne sur le plan terrestre et dans tout l'univers, dans des niveaux multidimensionnels, pour éradiquer l'ombre et faire évoluer l'univers et les univers dans la conscience christique la plus pure, et Marie, et le concept immaculé, c'est la pureté sacrée qu'elle nous diffuse aussi. On va pouvoir effectuer une prière de pardon pour amener les énergies noires à se désagréger dans cette lumière. Les énergies noires sont plus ou moins décristallisées, donc réveillées, et commencent à faire, je dirais, une dernière ronde d'honneur, et ça peut être parfois extrêmement compliqué pour certaines personnes, et je souhaite aussi faire ce soin collectif pour ça. Parce que je trouve que par rapport aux mails que je reçois, il y a de plus en plus de personnes qui sont dérangées, notamment dans leur nuit, dans leur temps de sommeil, dans ce moment où notre subconscient, notre supraconscience, notre soi supérieur va travailler alors que notre corps physique dort. Et il y a pas mal de personnes qui m'écrivent qu'elles sont dérangées pendant la nuit, qu'elles ont une sensation très désagréable, qu'on leur tire les pieds, qu'on leur marche sur le ventre, qui ont des sensations de gros mal-être, comme s'il y avait une présence désagréable autour d'eux. Et ça, c'est pas qu'un peu. Voilà. J'ai quand même beaucoup de personnes en ce moment qui subissent ça. Et ça peut provenir d'anciennes mémoires de ce qu'on a pu vivre dans d'autres vies, de personnes, d'âmes désincarnées qui nous en veulent toujours, mais évidemment dans cette vie-ci, on n'en a aucune idée. On ne sait pas du tout pourquoi. Alors oui, on peut effectivement chasser ces âmes tristes qui nous en veulent, qui ont du ressentiment envers notre âme à nous, mais je crois qu'avant de les envoyer dans la lumière, on peut peut-être effectuer une prière de pardon collective pour pardonner et être pardonné pour tout ce qu'on sait, pour tout ce qu'on ignore, et être pardonné de façon multidimensionnelle sur tous les plans et dans tous les univers.
Comme ça, on sera plus tranquille la nuit et on viendra plus nous tirer les pieds. Ou j'ai même un ami Christophe à qui la nuit on lui a griffé la joue alors qu'il est tout seul et célibataire. Et il a eu une très grande sensation, très douloureuse. Il est vite allé voir. Évidemment, ça ne laisse pas de marque, mais la douleur est vraiment effective. Donc, ce soin collectif est très important parce que si vous n'avez pas eu ce genre de problématique dans la nuit, eh bien votre lumière, votre amour, notre connexion les uns aux autres à la lumière par notre cœur lumière va faire que ça va aider toutes les personnes qui seront dans ce cercle de lumière qu'on va créer. Voilà. Donc, on va transfigurer. Ensuite, le soin. Alors c'est gratuit, cette séance collective, elle sera par Zoom. Je vais vous mettre le lien, dès que j'ai fini le direct, je vous mets le lien pour aller vous inscrire, pour recevoir l'invitation, pour avoir accès demain à 18h à ce soin collectif qui sera fait par Zoom. Voilà, Zoom. Et on va demander ensuite, une fois qu'on aura collectivement pardonner, guérir aux âmes désincarnées qui sont avec nous dans une relation qui a été tendue dans d'autres vies et dont on n'a plus aucun souvenir, mais qui viennent quand même nous embêter de temps en temps ou mettre des cailloux dans nos chaussures, hein, et des barrières sur notre chemin d'évolution. On demandera ensuite au Christ vivant en nous et à la puissance christique, au conseil christique, qui est au-dessus de nous, hein, l'alpha et l'oméga de l'univers, d'apposer sur chacun de nous le sceau de Jésus, le sceau christique, qui est une immense croix de lumière qui sera apposée sur chacun de vous. Voilà, je vais terminer le direct et ensuite j'irai chercher le lien pour vous l'amener et pour vous le mettre sous la vidéo ou en descriptif de ce direct pour que vous puissiez vous inscrire. Je vous rappelle, hein, puisque j'ai un mentor en marketing, voilà, et qui m'a demandé de vous rappeler pendant ce direct que vous avez le soin quantique, l'alchimie de Marie, qui est à 25 euros jusqu'à ce soir minuit. C'est un très bon préparatif au soin collectif qu'on va faire demain. Et ensuite, il repassera à son prix normal de 110 euros. Donc, si vous n'avez toujours pas le soin quantique avec l'alchimie de Marie, qui a été mis il y a vraiment plusieurs mois en ligne, c'est maintenant qu'il faut l'acquérir. Et en plus, on est dans le mois de mai, le mois de Marie, le mois de la pureté sacrée. Je vous embrasse, je vous aime, soyez puissamment bénis. Merci beaucoup, à demain soir 18h, je compte sur vous. Au revoir.